running down to the red tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Hey, oh bon! Plus de batterie. Hello, on se retrouve plus tard. J'ai fait charger ma batterie. Hey, je sais pas, ma batterie était complètement déchargée. Fait qu'il est 11h, je porte un chandail que j'ai reçu. Les vêtements de Rose, attendez, je vais mettre ma passe comme ça. Je me toucherai plus les cheveux. J'avais déjà reçu des vêtements, c'est des vêtements usagés, dans le fond, mais vraiment en très bonne condition, parfois neufs. C'est ça qu'elle m'avait envoyé des choses pour Amanda que j'ai adorées. Tu sais, je les avais même pas choisies, puis c'était parfaitement pour elle. Et. Ah, Anthony? Ah, non, c'est Amanda qui ouvre la porte. Attends. Excusez, Amanda essayait de s'enfuir de la maison. Génial. Mais c'est parce qu'Anthony vient de partir aller chercher Jaden à l'école. Fait que je vous disais, c'est ça, maintenant, ils vendent des vêtements pour femmes. Je pense qu'ils ont fait comme un lancement. Puis, elle m'a envoyé ce chandail-là qui est tellement moi, là. Comme, c'est vraiment moi. Je l'aime vraiment. Fait que j'ai mis ça avec un bas de pyjama. Excusez, je te supplie. Fait que là, je viens de retourner de bord. Les pilons de poulet, moi j'aime pas ça, mais les enfants capotent là-dessus. Fait qu'on avait acheté au Costco l'autre jour. Fait qu'Anthony les a comme fait mariner, puis sont en train de cuire pour leur dîner. Je buvais ma fin de café. Là, je suis vraiment contente parce que j'ai un stress de moins sur les épaules. Mais c'est un bon stress pareil, là. Mais j'ai remis mon livre hier, le tome 2 de 22. Je l'ai remis. Fait que mes soirées. Qui était consacré à l'écriture de mon livre, sont presque terminées, dans le sens que là, c'est une première étape qui est faite, mais... Comment dire, là, enlever sa culotte. OK! Papa! OK, va regarder dans la fenêtre quand il arrive! Non, je suis à côté de moi. Ah, un élastique! Correct, mets t'en un dans tes cheveux déjà. Va le mettre à ton bébé. Ou à ton cochon. Je veux pas vous voyez. Je veux pas qu'on voit ses foufounes. Parce qu'elle est toute toilette et elle a pas mis sa culotte. Que je veux dire, c'est. Je sais plus de quoi je parlais. Je parlais de mon livre, c'est ça. C'est pas terminé, c'est comme l'étape 1. Là. Dans le sens, moi, j'écris mon livre au complet puis après je l'envoie. Fait qu'ils l'ont jamais lu encore. puis dans le fond, il y a comme. Une équipe de 3 correcteurs qui passent après moi, donc qui ont toutes leurs. Tu sais, une correctrice, puis après, il y en a 2 autres, puis ils ont toutes leurs. Spécialités. Il y en a qui sont très bons dans telle affaire. Bref, fait que, après ça, moi, je dois approuver les corrections, ou si je veux rajouter des choses, ou s'ils trouvent qu'il manque quelque chose, ben, ils me le disent, puis c'est moi qui trouve, mettons, qu'est-ce que j'aimerais rajouter. Fait que c'est ça, c'est pas fini, mais c'est une étape de fait. Puis aussi, hier, j'ai approuvé la couverture du tome 2. Je suis vraiment contente parce que ça a été... Il y a eu quelques essais, puis ça marchait pas, là. Puis sorti avec un autre essai que tout était parfait, genre, en entier. Fait que j'étais vraiment contente. J'ai hâte que vous puissiez la voir. Je sais pas quand je vais pouvoir vous montrer. Je sais pas quand je vais pouvoir vous dire la date de sortie. Parce que de toute façon, comme ma date de sortie de mon tome 1 à cause du COVID, puis oui, vraiment à cause du COVID, la date, elle a été repoussée plusieurs fois parce que les librairies étaient fermées. Tu sais, c'était pas pour sortir un livre quand les librairies sont fermées. Alors, c'est ça. Mais c'est cet été. Fait que je peux vous dire ça. C'est l'été. Fait que je suis vraiment contente de ça et je suis super heureuse de la couverture de mon tome 2. Et autre chose aussi, c'est pour mon horaire. Là, je vous avais dit, je savais pas qu'est-ce que ça va pouvoir être avec l'école à Jaden. Là, j'ai jusqu'à demain pour l'inscrire au service de garde, mais en fin de compte, si je l'inscrivais au service de garde 3 matins, je perdais le droit d'avoir le bus. Mais c'est pas, il n'y a pas question que je perde ça. Parce que j'en ai besoin, surtout quand Anthony va travailler. Tu sais, ils vont venir le déposer proche, puis je vais aller le chercher à pied. C'est vraiment, vraiment parfait. Fait que je vais pouvoir commencer plus tard. Oh, petit bébé d'amour, dans mes jambes. Je vais pouvoir commencer de travailler plus tard, mais on va voir rendu là parce que je connais pas l'horaire du bus et ces affaires-là. Mais on évite le service de garde, donc il n'y aura pas besoin d'avoir le service de garde.
que je suis contente, tout bien. Juste qu'il va dîner à l'école. Puis, c'est ça. Fait que c'était comme tous des stress de moins cette semaine. Fait que je suis vraiment contente. Je me sens légère. J'ai extrêmement mes allergies. Fait que j'ai littéralement genre 3 cils d'un œil. Je vais me faire mes cils tantôt. Mes yeux ont tellement brûlé. Je les ai tellement frottés. Écoutez. C'est ça. Fait que là, j'ai mettre un... J'ai mis un vlog en ligne. Ah, oh, je me sens légère, là, vous comprenez pas. Je vais pouvoir recommencer. Pas que je pouvais pas, mais en tout cas, je vais recommencer à m'entraîner. Les... Oh, bon, on en a un peu plus là. Mais mange la table, par exemple, je donne. Mais moi, je voulais aller voilà. Dans ma petite. La télé. Mon dîner, là. Quand il est terminé, pour la faire. Puis, Anthony m'a fait une très belle salade. Il est très fin. C'est de la laitue Boston, concombre, piment, tomate. Amande, feta, il y a du poulet. C'est quoi que t'as mis comme épice? Le grand sel, poivre, puis épice à légumes. Oh, puis l'huile d'olive, genre? Ouais. Bien, merci. J'ai rendu 1h27. Amanda dort depuis 1h. Ça, là, qu'on a acheté au Costco, Omega Power. Ouais. Puissance Omega. Il y a comme des canneberges, des raisins secs, des noix. Les gars, ils capotent là-dessus. Fait que là, je vais leur donner un petit sachet de ça. C'est comme des bonbons pour eux. Puis, ils ont choisi d'écouter Les Gardiens de la Galaxie 2. Fait que c'est en humain. Je vais aller relaxer un peu parce que mon œil, il va pas mal. De retour à la maison dont il y a de la neige. Il est présentement 5h13. J'ai fait mes cils. Oh, ça fait du bien. Ouais. J'ai reçu un colis, mais c'est quelque chose que j'ai acheté, hein? Ah, oh, du papier, merci! J'avais vu passer sur Instagram l'étiquette qu'il avait acheté la crème La Roche Posée. Comme ça, puis avec. Il y avait un code promo là, que tu rentrais que t'avais le shipping gratuit, puis genre 10%. Puis ça, c'était en rabais. Fait que ça venait vraiment pas cher. Fait que j'ai deux crèmes solaires. Ah, c'est ça, c'était 40. Maman! Fait que. C'est ça, c'est de la 50. Pour enfants, fait que j'ai acheté ça parce que Amanda, elle a la peau encore plus sensible que Maverick, parce que Maverick a de l'eczéma. Jaden, il a la peau sans problème. Fait que là, je me suis dit, ça va être bien ça. Fait que voilà. Mais sinon, j'aime bien avoir un bâton genre pour le visage. Fait que c'est sûr que je vais me procurer un bâton aussi. Je trouve que c'est simple parce qu'ils se le mettent eux-mêmes. Puis j'avais des petits échantillons. Fait que j'ai commandé ça, j'ai acheté ça il y a quelques jours. En tout cas. Là, Anthony, avant de venir me chercher pour mes cils, parce qu'il est 5h15, il est parti le poulet sous vide. On va manger des brochettes de poulet à la grecque. Ça va être très bon. Sauf que dans le fond, ils seront pas en brochette. Ils vont être défaites. Mais ça va être délicieux. Fait que. C'est ça. C'est pas mal ça. Voilà. Mais je suis là, je mets ça là. Ah, je mets ça dans la tête ici. Tu m'entends à Amanda, Maverick? Tu veux le mettre? Tu peux le mettre, si. Attention, il faut que c'est capoté l'autre jour quand j'ai fait ça. Hein? Des raisins, ok, avec de la poudre de Jello sans sucre ajouté. Fait que tu mets ça, dans le fond, c'est dans un ziploc, ou peu importe comme ça. Tu mets la poudre, puis tu mets ça au congélateur. C'est tellement bon, là, ça goûte, c'est bon. Je vous montrerai ce que ça donne ce soir. Ça fait pas mal de bruit, hein? L'aquarium ici, mais quand on est haut, on l'entend pas. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai couché les gars. J'ai couché tout le monde. ça fait un bout qu'ils dorment, là. Peut-être. Avant d'être 7h30, mais les gars. On a monté en haut vers 8h. Peut-être vers 8h30, ils sont endormis. Là, faut que j'arrête de manger ça. Je suis en train d'écouter. District 31, je suis rendue à saison 3, épisode 13. Sérieux, c'est tellement bon, cette émission, là. Je capote. j'ai les frettes, je sais pas pourquoi. En tout cas, je m'en vais dans la douche. Faut que j'inscrive ou pas. Je sais pas trop, là. Dans le fond, j'inscris pas, je les donne au service de garde, comme je vous dis. Mais il faut que je remplisse un genre de formulaire en ligne. Je pense, même si il va pas, faut que je coche qu'on n'a pas besoin. Genre, quelque chose du genre. Fait que. Que je prends. La misère. Fait que, ouais, c'est ça.
Je vais faire ça, puis on va écouter, c'est sûr, un épisode de New Amsterdam. Puis on va se coucher. C'est ça, je travaille demain de 7h30 à 4h30. Puis c'est pas mal ça. Je vous en parle-tu, je vous en parle pas, je sais pas trop. Dans le fond, là, Anthony, il travaille samedi. Et, ça veut pas que c'est... Okay. Puis, c'est sa dernière journée. Mon Dieu, c'est rouge. À cause de la poudre de Jello. Mon Dieu, ça fait sale. En tout cas, c'est sa dernière journée. À en psy où qu'il travaille. Oh, ça veut pas que c'est... Attends, on va aller ailleurs. Parce que je veux vous parler. Ouais. Dans le fond, je vous ai pas dit où qu'il travaillait en psy. C'est pour pas dire nécessairement quel endroit... pour pas dire nécessairement l'endroit qu'il travaille tout ça. Mais je vous avais dit qu'il travaillait plus à l'hôpital à côté d'ici. Il travaillait à un autre poste en psy. Puis, c'est ça. Dans le fond, ben, il y en a plein qui l'ont deviné. Lui, qui travaille... dans le fond, il travaille pour une agence. Puis, il avait comme... Ils l'ont mis sur un poste en psy. Puis là, il y a plein de personnes qui sont revenues de congés de maternité puis de congés de maladie. Alors, ils ne, à cette place-là, en psy, ils ne prennent plus, plus aucune agence. Dans le fond, ils n'auront plus d'agence parce qu'ils n'en ont plus besoin. Même, là, il a travaillé comme hier soir. Justement, il y a du monde qui avait, mettons, des postes d'équipe volante que, genre, ils pourront même plus être en psy parce que, justement, ils sont rendus trop en psy. Mais ils s'en doutaient parce que ça faisait comme 2 semaines qu'ils étaient tout le temps en surplus. Genre, ils étaient beaucoup, là, quand ils travaillaient. Fait que, c'est ça. Mais là, quand ils lui ont dit ça, il y a une super belle opportunité qui s'est présentée à lui. Attendez, je vais faire la porte. Ouais. En même temps, il y a une super belle opportunité qui s'est présentée à lui, qui était vraiment quelque chose qu'il voulait... il savait, en allant à soins infirmiers, il savait qu'il voulait aller soit en psy ou travailler en prison. Je vous l'ai déjà dit. Puis dans le fond, en prison, c'est très rare qu'il y ait des postes. Parce que dans le fond, ils n'ont pas... t'es plein d'infirmiers, mettons. Puis, dans le fond... Et à la place qu'il va travailler, à la prison qu'il va travailler. Et à cause de ça, justement, ben, dans le fond, c'est une place, comment je peux dire, à long terme. Ouais, je cherchais le mot. Il va travailler là, vraiment à long terme. Fait que c'est pas... Mais là, tu sais, quand même, depuis janvier, il a fait janvier, février, mars, avril, il aura fait 4 mois. C'est quand même... Ben, c'est quand même stable là, pour travailler dans une agence 4 mois en psy à même place. Mais là, c'est vraiment comme de façon permanente, là, s'il aime ça, en tout cas. Accepter les disponibilités à Anthony, fait que c'est génial. Pour vrai, ça l'a toujours intrigué. Puis là, il va pouvoir essayer ça. C'est vraiment le fun. C'est sûr que ça va être diversé des soins, mais quel genre de soins, je sais pas, des pansements, on va faire de même. Je sais vraiment pas c'est quoi, en fait, et c'est pas trop non plus, mais il va y avoir la semaine prochaine, dans le fond, ça je vais vous dire. Dans le fond, il termine samedi en psy. Puis il recommence lundi, dans le fond, il va avoir une formation de 4 jours. Fait que là, la semaine prochaine va être quand même une grosse semaine parce que, dans le fond, ils vont y faire deux de jour, deux de soir, des formations. Puis l'horaire est quand même un petit peu différent de l'hôpital, mais différent, positif, je trouve, parce que dans le fond, l'hôpital, un shift de soir, c'est de 4 à minuit, puis là-bas, c'est 2h45 à 11h. Fait que tu sais, il finit à 11h. C'est déjà pas mal plus fun que minuit, parce que moi, j'ai tout le temps peur qu'il arrive de quoi quand il finit à minuit. J'ai peur qu'il s'endorme, même si c'est jamais arrivé, mais j'ai peur pareil. Mais 11h, c'est quand même moins pire, si je pourrais dire. Yes, c'est ça. C'est vraiment le fun. On a vraiment hâte, mais dans le fond, il travaille encore pour la même agence. Ça, lui, il adore ça, là, en passant. Puis, justement, j'ai partagé cette semaine, ouais, l'autre jour. Et maintenant, là, les personnes qui quittent le public, fait que l'hôpital, pendant 3 mois, ils ne peuvent pas être engagés par le privé parce qu'ils veulent pas que les infirmiers quittent le public. Là, fait que, en tout cas, ça vient de passer fin mars. Fait que lui, il a quitté à temps. Mais tu sais, les conditions sont
tellement bonne. Genre, tu sais, il fait son horaire, là. Genre, c'est fou, il peut prendre des congés quand il veut, des vacances quand il veut. Écoutez, genre, il n'y a même pas de, y a pas de point négatif. Quand il mais là, en psy, à l'hôpital, il pouvait, tu sais, il n'y avait pas, mettons, de parking à l'hôpital. Ben même à ça, même si t'es employé, souvent à l'hôpital, t'as un montant qu'il faut que tu payes. Mais là, à la prison, justement, le parking va être gratuit. Fait que c'est le fun aussi. En tout cas, il y a juste des avantages pour si vous êtes infirmier. Puis que vous commencez, là, je sais pas si vous avez. Je sais pas combien d'échelons, mais tu sais, même à ça, c'est fou, là. C'est genre. C'est le double du salaire, genre. Fait que. C'est ça. Je dis pas partout, par exemple, parce que c'est pas les mêmes salaires partout. Parce que dans le fond, il avait proposé, mettons, tu peux soit être en prison, tu peux soit être telle place, telle place, telle place, mais c'est pas tous les mêmes salaires partout. Fait que. Mais c'est ça. En tout cas, ouais, ça va être du changement dans notre vie, mais il y a vraiment hâte, puis c'est du changement. En même temps, ça va être le même horaire qu'il fait en ce moment. Il va juste commencer une heure plus tôt. Mais ça ne change rien, là. Fait que c'est ça. C'est vraiment le fun. J'ai hâte de voir. Ouais, il y a eu comme une enquête, là. Il regarde voir si c'était un peu de casier, puis tout ça. Il n'a pas le droit de rentrer son téléphone à l'intérieur. En tout cas, ça va être spécial. J'ai hâte de voir comment ça va aller. J'espère qu'il va aimer ça. Mais tu sais, sinon, c'est pas bien grave. Et il fera d'autres choses. Ok, c'est ça. Je ferme mes petits raisins. Je m'en vais rejoindre Anthony en haut. Je pense que je vais prendre ma douche. Ouais. À demain. Non, à vendredi.